conseil simple. De classement. Si on me classe l'année prochaine 22e, je considérerai que c'est la responsabilité de mon prédécesseur. Si, par hypothèse, je reste maire, puisque j'ai dit que moi je ne ferai pas plus de 2 mandats, je reste maire 12 ans, et que dans 12 ans on me classe 22e, je considérerai que c'est ma faute. C'est clair, d'accord. Ruben. Mais donc, et, ah, c'est très et la clair, deuxième question rapidement, et on retourne à Michel. Je pense que ces classements sont évidemment toujours discutables, mais je vous rappelle, Ruben, qu'on en est au 15e classement de 15 médias différents qui classent toujours Marseille en dernier pour tout, que ce soit l'accessibilité. C'est évident qu'il y a un problème. Voilà, l'accessibilité pour les handicapés, les embouteillages, la qualité de l'encadrement scolaire, enfin bon, etc., etc. Donc il y a bien un peu de réalité. La réalité, c'est que Jean-Claude Gaudin, il n'a pas fait son boulot de maire. Son boulot de maire, pour lui, ça consiste simplement à se promener dans sa C6, à dire bonjour aux gens de la porte de la fenêtre et à s'asseoir dans son bureau 2 heures par semaine. La vérité, elle est là. Le reste du temps, il n'est pas ici. Il est ou chez lui à Saint-Zachary, ou chez lui à Neuilly, ou au Sénat en train de faire le président de groupe UMP. Voilà.